à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Carla qui raconte la mésaventure qui lui est arrivée hier. Alors qu'elle se trouvait dans un Uber, Carla a été déposée sur l'autoroute. Lui reprochant d'être irrespectueuse, la conductrice s'est arrêtée et a laissé la candidate de télé-réalité au milieu de nulle part. Complètement choquée, Carla raconte en détail tout ce qu'il s'est passé. Elle n'en revient toujours pas et envisage de ne plus prendre aucun Uber suite à cette histoire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. Je me retrouve en plein autoroute. Je vous explique, il m'est arrivé un truc de fou avec un Uber, je vous raconte ça après. J'hallucine. Vraiment que je vous explique ce qui m'est arrivé, là je suis bloquée, j'ai été déposée sur l'autoroute les filles, c'est un délire ce qui vient d'arriver, franchement j'ai pas compris. Vraiment, j'ai pas compris. Faut que je vous raconte ça au calme ou je sais pas. Je sais pas. Je crois que je vais vraiment arrêter les Uber parce que autant il y a des gens hyper bien qui font trop bien leur boulot, autant il y a des gens, mais c'est des fous, ils devraient pas faire ça. Là, je viens de regarder le profil, finalement, ça fait que 4 mois qu'elle était sur le site Uber Eats. Mais c'est trop dangereux, il n'y a pas assez de contrôle. Là, j'avais affaire à une personne qui était complètement. Problème clairement, et au final, bah maintenant je suis laissée comme ça sur l'autoroute. Ça peut être hyper dangereux. Je crois vraiment que je vais partir que sur des taxis quand je prends pas ma voiture. Ma mère, elle est venue me chercher. Elle m'a dit, j'ai jamais vu ça. Non, mais là, c'est vraiment trop grave, les filles. Je vous jure, j'hallucine. Les gens, je crois qu'ils sont trop stressés. Ça va plus, ça va plus. Je suis au téléphone, d'accord? Je suis en train de gérer des problèmes, l'école m'appelle, et tout, donc je suis au téléphone. Je rentre dans la voiture, je lui dis bonjour, je rentre et je la calcule pas parce que moi je suis au téléphone. Quand je raccroche, elle me dit oui, madame, je vous explique, j'ai un problème avec mon GPS, donc je risque de prendre des chemins un peu bizarres, ne vous inquiétez pas. C'est juste que mon GPS ne marche pas. Moi, je suis tellement en train de m'occuper du reste, je m'en fous quoi. Je lui dis, ah ok, ça va, pas de problème. Voilà, pas de souci quoi. Et en fait, elle avait déjà continué à avancer, donc on avançait dans notre chemin. À un moment donné, donc elle prend l'autoroute, elle me dit, oui, c'est par là le chemin. Moi, je suis encore au téléphone. Donc je vous explique, on est sur l'autoroute. Et là, elle me regarde, elle me dit, c'est le bon chemin. Est-ce que je prends l'autoroute? Je lui dis, bah je sais pas. Moi, en même temps, je suis au téléphone avec l'école de ma fille qui m'appelle. Donc, un peu perturbée. Enfin, je m'occupe surtout de l'école. Et je lui dis, bah je suis désolée, je sais pas du tout le chemin. Elle me dit, donc on fait comment? Je lui dis, bah je sais pas, au pire, je suivais le GPS, même s'il fonctionne pas très bien. Suivez-le et on verra. Surtout qu'en plus, j'ai un rendez-vous et tout. Allez-y, on verra bien où ça nous emmène. Elle se retourne, elle me dit, vous avez pas compris ce que je vous ai dit? Mon GPS, il marche pas. Je dis, d'accord, mais du coup, qu'est-ce que je suis censée faire? Je sais pas quoi vous dire. Mais je crois que vraiment, en fait, vous foutez de ma gueule. Et donc, elle avait une boule anti-stressante. Elle me dit, je crois que le mieux, c'est que je vous dépose là. Parce que vraiment, ça va pas le faire. Vous êtes irrespectueuse. J'ai dit, mais à quelle heure j'ai été respectueuse? Ni je vous insultais, ni je vous ai mal parlé. Je vous ai simplement dit de suivre le GPS. Et que j'avais pas d'autre solution. Parce que bah, c'est vous le Uber. Que moi, je n'ai pas le chemin. Donc, elle a cette boule antidéstressante dans les mains. Elle fait que la tenir. Elle commence à s'exciter en disant non, vous avez été respectueuse. Je dis, mais attendez, je vous ai jamais mal parlé. Je vous ai simplement dit de suivre le GPS. Je vois pas en quoi c'est un manque de respect. Elle me dit, non, mais je vais vous déposer là. Hyper énervée. En plus, je viens de regarder son profil. Donc, ça faisait que 4 mois qu'elle bossait dans ce boulot-là. Alors, peut-être qu'elle avait reçu une mauvaise nouvelle. Ça peut arriver. Mais je dis, là, madame, je comprends pas pourquoi vous êtes énervée contre moi. J'ai rien fait. Et à la fin, elle me dépose sur l'autoroute et elle me dit, allez, bisous Carla. Alors soit elle m'appréciait pas, je sais pas, soit elle voulait peut-être me faire ça parce que je sais pas, elle avait la peine de moi. Mais c'est trop grave. Enfin, si moi je serais rentrée dans son jeu, au final certainement que ça aurait pu mal finir, alors que en vrai j'avais rien fait, que j'ai juste appelé un Uber. Dans ma tête, je me suis dit, mais si ton GPS ne marche pas et que tu connais pas Marseille, travaille pas aujourd'hui parce que ce problème là tu vas l'avoir pas qu'avec moi, tu vas l'avoir avec tout le monde. Franchement, je sais pas quoi penser, j'ai pas compris. Et elle avait cette boule anti-stress qu'elle tenait dès le début en fait. Bon, moi j'ai pas prêté cas, je crois qu'elle était un peu sur les nerfs, ça peut arriver hein, mais vraiment là de péter un câble et de laisser carrément une personne sur l'autoroute, j'étais vraiment sur l'autoroute. Ma mère elle est venue me récupérer en
l'urgence, parce que je savais même pas où mettre l'adresse pour qu'on vienne me récupérer. Donc j'ai envoyé des photos à ma mère de là où je me situais et tout. Ah non, mais c'est fou. C'est fou. J'ai pas compris. Vraiment, pourtant, je prends très souvent le Uber et j'ai jamais aucun souci. Mais franchement, tout ce que j'ai entendu sur les réseaux, là, ce qui vient de m'arriver, des fois, ça fait vraiment peur. Je me dis, finalement, je pense que je vais opter plus pour les taxis.